Oui, très difficile, hein. Parce que malgré bon, cette première mi-temps qui était un petit peu surprenante, hein, parce qu'on se crée des occasions, on ne marque pas, et sur le premier contre, on prend ce but, et je pense que le début de la deuxième mi-temps était très intéressant, hein, jusqu'à la blessure de Johan. Et surtout que bon, on marque un but valable et on perd le joueur. Je trouve ça un peu surprenant, mais bon. Les joueurs étaient un peu traumatisés par apparemment cet arbitre qui il y a eu beaucoup d'incidents avec les Girondins, je crois, dans le passé. Ils en parlaient avant le match et le constat après le match et quand même, je pense qu'il aurait dû sanctionner d'entrée pour laisser jouer. Énormément, mais c'est bon. Ah non, non, ce n'est pas uniquement, mais quand vous marquez un but valable et que vous perdez un joueur sur ce but valable, quand même, c'est assez difficile. Et après, bon, on se crée beaucoup d'occasions et beaucoup de coups de pied arrêtés. On n'a pas été performant dans ces phases de jeu. Et sur le peu de contre qu'ils ont eu, ils ont été très efficaces. Non, mais avant, déjà. Vous savez, moi. L'arbitre m'a avoué que le match à Montpellier, c'est vrai, quand il y a coup franc, le but qu'on prend à Montpellier, il n'y avait pas coup franc. Et les erreurs, ça arrive, les erreurs d'arbitre. Hein. Ça arrive. Hein. Mais là, je pense que c'est le tournant, parce que si d'entrée, bon, déjà d'entrée de match, il faillit de marque, ça aurait changé un peu la physionomie du jeu. Et là, en menant 2-1, ça aurait été différent. On aurait eu un peu plus d'espace, hein, ils auraient été obligés de sortir, ça aurait changé le match. Mais quand vous marquez un but valable et qu'on vous le refuse. C'est assez difficile. Ah oui, non, mais ça c'est. On perd le duel en l'air déjà et on perd deux fois le duel. Mais pourquoi? Parce que c'est toujours les mêmes lacunes finalement. Oui, mais. Tremonnier, s'il le laisse partir. Oui. Et dans l'axe, personne ne le couvre. C'est. Eh oui, ce sont des fautes. Hein. Mais je vous dis, ça change le match. Si on mène 2 à 1, ça change le match. Je suis d'accord. Logiquement, on doit finir à 1 à 1. Le deuxième but, on ne doit jamais le prendre. Mais si on mène 2 à 1, ça change le match. Et malheureusement, c'est vrai qu'on parle, mais malheureusement, à Marseille, on revient sans points, en grosse difficulté. Vous attendiez un jeu d'adversaire basé sur le contre. Ça a été le cas. Est-ce que vous Oui. attendiez autant de... Mais ça, c'est uniquement d'entrer, si on met les cartons jaunes, d'entrer en première mi-temps, ça aurait permis de jouer au football. Ça aurait permis de jouer au football. Mais d'entrée, il y a eu quelques tacles assez sévères et il n'a pas mis de carton. Il fallait juste sanctionner d'entrée, on mettait les cartons et après on aurait pu jouer. On sait exactement ce qu'il a, Oui, je pense que c'est grave. C'est pour ça que c'est vraiment désolant, quoi. C'est vraiment désolant. Il marque, il n'est pas hors jeu et il est blessé gravement. Oui, mais sur la même ligne, il n'est pas hors jeu. Ouais. Oui. Voilà. Voilà la soirée. Alors j'espère que il nous arbitrera plus jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Au revoir. Pour vous, non? Oui, c'est une bonne soirée. Oui, sur le plan comptable, voilà, c'est aujourd'hui tous les matchs, du moins pour nous, même pour Bordeaux, parce qu'ils ne sont pas loin de la tête, sont importants. Donc, quand on fait des déplacements, quels que soient les déplacements, on essaie d'avoir l'ambition avec la forme du moment et le mental du moment. C'est pas facile. On alterne le haut, le bas, surtout au niveau des résultats, donc oui, pour nous c'est une bonne opération ce soir. C'est un match gagné. On a fait d'excellents matchs depuis le début de saison à l'extérieur, on n'a jamais rien ramené. Donc on a eu de la réussite, ouais. On a eu un bon gardien, un très bon gardien, et de la réussite. Non, non, on n'était pas plus ambitieux, non, 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 attendez.
Oui, mais bon, bah, parce que bon, on avait mis en place une chose, mais la qualité de jeu et la qualité de passe de Bordeaux nous est largement supérieure. Donc il fallait absolument mettre le ballon sur les côtés, même si c'est une de leurs forces, mais boucher au maximum les intervalles, ben justement pour contrer pour récupérer le ballon le plus haut possible par rapport à notre position et vite se projeter vers l'avant. Oui, je l'expliquais à vos collègues. Romain, il s'adaptait rapidement à la Ligue 1. Je ne connaissais pas, donc c'est un jeune joueur qui a du talent, mais surtout qui a de l'ambition dans son jeu. Voilà, il tente des choses. Tout n'est pas parfait, loin de là, mais il tente, il provoque. Mais c'est ce que j'ai dit aux joueurs. J'ai dit, de toute façon, on est dans une situation, on ne peut pas se permettre que d'attendre. Il faut aussi des résultats. Donc, essayer, tenter, bien sûr qu'il y aura du déchet, mais plus on tente, plus il y a de déchets, mais plus il y a de réussite. Donc c'est vrai que Romain est un peu l'image de notre performance aujourd'hui. Mais je vous rassure, c'est un coup haut, un coup bas, donc je crains le prochain match. Vous aviez une recette sur le corner, parce que vous avez une multitude contre vous. Oui. Non, je n'ai pas de recette. Non. C'est que du marquage. Après, vous avez vu la taille des joueurs de Bordeaux. Il y a de la taille, il y a de la puissance, il y a de l'engagement. Il faut être dans le duel. Après, si vous avez la chance de couper la trajectoire avant l'attaquant, c'est génial. Sans ça, il faut au moins le gêner, au moins sauter pour pas qu'il ait la possibilité tranquillement d'ajuster le gardien. Je vais pas rentrer là-dedans parce que je veux plus parler de l'arbitrage ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup de cartons rouges, jaunes pardon, pas de rouges, beaucoup de cartons jaunes. Et l'engagement, il existe dans le football. C'est pas un sport où il n'y a pas de contact. Voilà. Maintenant, il faut le canaliser. L'engagement, il a été des deux équipes. Voilà. On joue à Bordeaux, donc vous avez la pression des joueurs, vous avez la pression du public, voilà, il y a une situation qui est pas facile à gérer pour les joueurs, encore moins pour l'arbitre. Donc franchement, être arbitre ce soir, c'était difficile. Jean-Pierre Galas vient de dire que le tournant, c'est le but que marque Buffon, c'est une blessure. Mmh. Partage cette avis. Bah déjà, il est hors jeu. Il est pas en jeu ? Non. Merde. Bah, il est hors jeu du bras, alors. Oui, bah, apparemment, si. Oui, c'est le tournant, bien sûr. S'il est valable, bien sûr que c'est le tournant. Mais bon, à côté de ça, ça m'embête pour Johan aussi. Voilà, quelqu'un que j'apprécie, c'est un bon gamin que j'ai connu il y a quelques années. Et ça va être difficile pour lui, donc il faut vraiment le soutenir. Merci. C'est bon ? Oui. Voilà. Bonne soirée pour quand ? Ouais, je pense que on a eu beaucoup de réussite sur ce match, pardon. On a eu une bonne première mi-temps où on a réussi à mettre en difficulté Bordeaux. Ensuite, on arrive à marquer ce but à un moment clé, mais ensuite, sur la deuxième mi-temps, on a vraiment subi. Il y avait une très grosse équipe de Bordeaux avec beaucoup de fierté. Et c'est vrai que ça a été très difficile. On a fait preuve de solidarité. Et avec la seule action qu'on a, on arrive à marquer, donc beaucoup de réussite. Ouais, ça c'est, je sais pas, c'est un peu de la chance. Il y a des actions comme ça où tout réussit, donc c'est important pour l'équipe et voilà, j'en suis ravi. Sur la
Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je suis un peu dans mon action, donc non, je déborde. Après, voilà, je crois qu'il trébuche. Je suis pas sûr, mais après, voilà, il y a un bon appel et on arrive à concrétiser.